le 17, dimanche. Et Inzo nous a gentiment réveillés. À quelle heure? 7h30? Non, 6h du matin. Non, quand même pas. Monsieur n'était pas content. En fait, t'étais trop fatiguée encore. Donc c'était réveil en pleurs. Donc, pas vraiment agréable. Mais bon, là, ça va mieux. Donc on est tous prêts. Et puis là, il doit être 8h30. Puis on va partir. On va essayer... Hein? On va essayer de trouver un déjeuner. Ouais. J'ai dit que des rimes. Là. On a une super vue sur le mur. Il est 9h et on est déjà au taquet. Donc là, on va essayer de se trouver un truc pour déjeuner. On va essayer de quitter Ajaccio et partir en direction de Sartène. C'est un petit village typiquement corse apparemment qui est très joli. Donc voilà. Et là, et les enfants, bon Kinzo, Isaé, vous faites coucou? On ne voit pas. Tiens, on va chez nous. On avait trop faim en s'arrêtant en bord de route pour prendre un petit déj. Du matin. Ça a l'air bien bon. Et en fait, ça nous a fait un vue, c'était marqué boulangerie artisanale. T'en veux mon cœur? Je vais t'en donner du pain. Enfin, ouais, c'est une ville plutôt. C'est super bien, pas vrai? Mais nous, on va rentrer dedans. Ouais, nous, on va direction Sartène. Nous sommes arrivés à Sartène. Donc là, on va visiter un petit peu le village. Ouais, je vais te l'attacher, mon cœur. Regarde, Inzo, comment il pèse, le monsieur. J'adore les tabourets, ils sont trop beaux. Voilà. Non, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Isaé? Tu fais le petit singe. Quoi? Tu fais le petit singe? Oui. Oui? Allez, viens. Viens, mais ça va pas, hein? Oui, c'est haut. Allez, viens. Non, Isaé, on monte pas les escaliers. Regarde, papa, il est parti avec O-O. Viens, on va rejoindre O-O. Viens, Isaé. Mais... Isaé! Mais non! Allez, viens. Tu vas te faire bobo, hein? Allez. Il se suspend, mais n'importe quoi. Inzo, tu passes où là? Selon Inzo, c'est le pont de New York. Je pense qu'il fait référence au pont de Brooklyn. Pas bien fixé, ne vous touchez pas, d'accord? D'accord. Sinon, ça tombe, ça fait le feu. Ouais, ouais. Isaé, c'est chez quelqu'un là. Allez, viens.
là on essaye de rejoindre la plage de Rocapina. Donc c'est un chemin un petit peu comme ça. La plage a l'air d'être jolie. Mamma mia! C'est sublime! Suivez-moi, la double passage double. Double secret? C'est trop beau, hein? Oula, attention, assis-toi, bébé, pour descendre. Vas-y, ensuite tu t'assois et tu t'avances les fesses. Hop là. Tu veux que je t'aide? Tu veux de l'aide? Faites attention, pas faisé. C'est bon, laisse-le passer. Faites attention. Allez, vas-y, champion, tu suis ton frère. Waouh! C'est dommage qu'il y ait du vent. Chaussures, chérie. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. Là, si on n'est pas encore, ce serait un problème. Du coup, j'en profite pour vous montrer la voiture qu'on a louée. Donc... Franchement, elle est bien. On est bien, il y a assez de place. Elle est propre, elle est spacieuse pour nous quatre, donc nickel. Et on la loue chez Sixte. Il est 16h30 et nous sommes arrivés à l'entrée de Porto Vecchio, mais là en fait on attend la concierge. On s'est donné rendez-vous à la station Total pour qu'elle nous emmène à la résidence. Apparemment ça, c'était plus simple comme ça parce que sinon la résidence est un peu galère à trouver d'après ce qu'elle m'a expliqué. Donc comme vous avez pu le voir, on s'était arrêté au village à Sartène et c'était très joli. Salut. Mais ça fait vraiment beaucoup penser à certains villages qu'il y a autour de chez nous. Enfin moi ça m'a fait un petit peu penser par exemple à Saint-Guilhem-des-Herts ou comme ça. Donc voilà, j'étais pas non plus surprise ou ébahie, c'était super mignon, mais pour des gens du sud c'était pas non plus surprenant. Par contre après la plage où on s'est arrêté là, waouh, c'était hyper canon, dommage, il y avait du vent, beaucoup de vent. Donc on s'est juste arrêté, on a un peu profité de la plage et tout, mais on s'est pas baigné quoi. Donc ça, on espère pouvoir se baigner les prochains jours. Du coup après on a cherché un restaurant mais il était 15h donc on n'a rien trouvé d'ouvert. C'était abusé et les enfants ils avaient faim donc on s'est arrêté au spa, on a fait des courses. Voilà, au moins on a de quoi manger, pour faire des petits déj. Et puis j'ai acheté de quoi faire le goûter des enfants etc. Et du coup on a mangé des petites spécialités corses qu'on a achetées au rayon charcuterie, boucherie et tout ça. Je me rappelle plus des noms. C'est quoi qu'on a acheté du coup? Des spécialités? Je sais plus. C'était bon? C'était bon. Donc voilà, et maintenant on attend la dadame. C'est super beau. Je vais vous faire un petit room tour de l'appartement qu'on loue. Attends, on n'a pas été
voir la piscine, on va la voir. On ira après à la piscine, chérie. On ira après parce que là, on va... Dedans, la piscine. On verra. Donc là, en fait, on arrive derrière la maison qu'on loue. Donc là, on a un petit bout de jardin. Attends, Isaïe, on ira après, chérie. Viens. Donc, on rentre. Hop, hop, hop. C'est bien. Ensuite, on arrive dans l'espace salon salle à manger. Donc, c'est super mignon. J'adore. Inzo, t'es où, chérie? Dans la chambre. D'accord. Bon, il y avait des petites décos sur la table et tout ça, sur les buffets et tout, mais j'ai tout enlevé parce qu'avec Isaïe, sinon, c'est pas possible. Là, on a la cuisine, qui est quand même très spacieuse. Et puis voilà, on a un frigo, un four, une machine à laver et un lave-vaisselle. Donc vraiment super top. Faut que j'ouvre d'ailleurs. Ensuite, il y a des placards. Oui, Isaïe, il y a la salle de bain. Avec une grande baignoire. Le bain. Oui, c'est pour faire le bain, chérie. Tu vas faire le bain tout à l'heure. Oui. Attends, après, Isaïe. Donc voilà, la petite salle de bain. Pour moi, on a une baignoire, c'est chouette. Les toilettes. Et ensuite, donc ça sera notre chambre. Voilà, et les enfants, eux, vont dormir sur le canapé, ça fait lit en fait. Ils se déplient. Voilà, donc la chambre avec la vue. Voilà, voilà. Pas mal, hein. Je m'en ai une jolie petite chambre, j'aime beaucoup. Avec grand placard. Laisse Isaïe, t'as sorti la poubelle. Et le must du must, c'est bien évidemment la terrasse avec sa vue sur la mer et c'est hyper beau. Donc là, il y a papa qui arrive. On a un barbecue, une grande table. On pourrait manger à 10. Et là, on a une grande terrasse. On peut faire le 4 heures. Une magnifique terrasse avec une vue de malade. Et juste en face, là, en fait, c'est Palombadja. Et là, en fait, quand on descend, ici... Non, reste là, Isaïe. Bon, par contre, c'est un peu dangereux avec Isaïe, hein. Parce que du coup, il y a quand même un petit muret, mais vraiment tout petit. Et vous voyez, il faut pas qu'il tombe, quoi. Oui, mais attends, Inzo, chérie. Donc là-bas, en fait, juste on descend de notre appartement. Et il y a deux piscines ici, dans notre résidence. On peut y aller à pied, juste à côté. Et ensuite, tout ça, en fait, c'est Palombadja. Voilà, tout ça, là, c'est Palombadja. Et on a une vue de fou. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et là, demain matin, on nous a dit qu'on allait avoir le soleil au petit-déj, donc c'est super chouette. C'est pas à manger ça, Isaïe, c'est une bougie. On va être dégoûté quand on va devoir rendre l'appart. Allez, on va faire un petit tour à la piscine. Te faire. Ouais, il est tard, alors déjà moi je me pèle. Personnellement, je vais pas me baigner. C'est vraiment pour faire plaisir aux enfants. J'adore, la résidence, ça fait sauvage. Et en fait, le petit appart qu'on loue, la maison même, on pourrait dire, est ici, juste. Trop canon. On est vraiment pas loin. À peine 20 mètres à côté de la maison. Tu vas aller te baigner, chérie ? Oui. Voilà, c'est la piscine. Tu peux aller à l'eau maintenant ? Oui, si tu veux, mon cœur. Bah, elle est froide, hein, tu te mouilles la nuque avant, Inzo. Oui. Donc on a deux piscines, une ici et une là-bas. Mouille-toi la nuque, mon cœur. Et on a une super vue. Je suis mouillée la nuque, c'est bon. Je peux y aller. C'est bon ? Ouais, vas-y. Allez, froid d'un peu. Ah ouais ? Ouais. Mais un peu. Alors attends. Toi,
Pour l'instant, t'as pas le droit d'y aller, mais tu mets quand même les brassards. Oui, courage, Winzo. Tu vas à Arbot. J'ai envie de couler. Il s'en fout. Il fait trop froid. Tu t'arrêtes là. Elle est froide, hein? Au moins, on va faire un petit tour. Tu fais un aller-retour jusque là-bas et tu reviens, puis après on y va. Non. C'est bon, rentre. Non. Ils veulent pas rentrer. On rentre. Non. Nous sommes à Porto Vecchio dans la citadelle, c'est tout mignon. Moi je connaissais, j'étais déjà venue. Et là on va essayer de se chercher un restaurant. Ça y est, on va enfin manger. On a trouvé un bon petit resto, je pense. Moi j'ai pris une assiette dégustation, elle m'a l'air pas mal. Et toi t'as pris du cochon, non? Je sais pas ce que c'est. Rôti de cochon de lait. Ouais, au miel, ça a l'air d'être bon aussi. Bien.